Dieu, ayez pitié! À qui demandes-tu pitié? Tous ceux qui font le commerce d'esclaves sur mon île seront eux-mêmes marqués comme esclaves avant d'être envoyés en Attique pour nourrir l'institution dont ils voulaient profiter. Emmenez cette vermine loin d'ici. Je croyais que tous les pirates vendaient des esclaves. Et tu es ? Je m'appelle Alexios. On dit aussi que tous les pirates sont des meurtriers, Alexios. Je cherche à rencontrer la grande pirate Xenia. C'est bien toi, non ? Voilà un titre qui me plaît. Mais qu'espérais-tu faire après m'avoir trouvé ? Je comptais te proposer un marché. Entrer dans ma ville en tuant mes hommes est une drôle de manière d'entamer des négociations. Je m'attendais à ce qu'on me refuse l'entrée. Et je n'ai pas de temps à perdre. Vas-y, parle. Je suis à la recherche d'une femme. Essaie d'être plus précis, Alexios. Elle a sur le bras des taches de naissance qui ressemblent à la constellation de l'Aigle. Voilà qui est déjà plus utile. C'est ma mère. Je ne l'ai pas revue depuis mon enfance. Si je comprends bien, tu cherches à retrouver ta famille. Quelque chose comme ça. Tu as choisi un chemin difficile. C'est Aspasia qui m'a envoyé vers toi. Aspasia ? Pourquoi aurait-elle fait ça ? Elle a dit que tu pourrais avoir des informations qui m'aideraient dans mes recherches. Tout est envisageable, si tu as les moyens. Et quel serait ton prix ? Tu as tué quelques-uns de mes hommes. Ce genre de crime suppose une compensation. Pourquoi as-tu besoin d'une somme pareille ? J'ai une ville à défendre, des gens à protéger. Je n'ai aucune envie de partir en guerre. Je veux seulement que la guerre ne vienne pas jusqu'ici. Tiens, prends. Ravi de faire affaire avec toi. Combien de temps vais-je devoir attendre ces informations ? Je les ai, déjà. Pardon ? Ta Myrine navigue désormais sous le nom de Phénix. Elle a commencé dans mon équipage et l'a quitté il y a peu de temps. Il faut que je parte. Tu es chez toi, à Chaos. Mais ce n'est pas ma vocation. Mon but. Tu ne trouveras peut-être jamais ce que tu cherches, Phénix. Je continuerai à chercher. Tu es une bonne pirate. Et tu es une amie meilleure encore. Tu sais où elle est en ce moment ? Elle est partie au sud-est avec son équipage pour une tâche plus grandiose. Elle a travaillé pour toi ? Quelque temps. Pourquoi est-elle partie ? Elle s'intéresse beaucoup trop à la politique et à cette guerre. Ce n'est pas sain pour un pirate. Le voyage est long de Chaos à Sparte. En mer, il y a longtemps. J'ai vu en elle une vie meilleure et en moi, elle a vu la liberté. Ensemble, nous avons régné sur les eaux. J'ai du mal à l'imaginer en pirate. C'est le genre de femme qui, quand elle s'est fixé un but, l'atteint toujours. Merci, je... Un foyer, ce n'est pas un toit, ce sont des proches. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches... Phénix, il doit y avoir des gens qui connaissent ce nom. Bonne chance pour ta quête. Oui, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle mission. Bienvenue sur Assassin's Creed. Alors, on vient de rencontrer Xenia. Et là, du coup, on a déjà une mission. On a perdu 16 000 drachmes, tout va bien quoi. Donc là, on va essayer de voler un trésor. Ouf. Tomber sur un gros capitaine là. Essayer de l'assassiner, mais ça va rater. Alors j'ai augmenté mon aptitude pour le bouclier. Ouais, ça marche.
Allez, viens, on va t'attirer ici, là. Double esquive. Oh non, non, non. Ah mais sérieux, c'est aussi compliqué que ça. Putain, je suis toujours pas mort. Ah là il est mort, ok. Ah putain. C'est la merde. Allez, j'ai réussi à m'infiltrer. Faut que je vole tout ça. Yes. Faut juste que je me fasse pas choper, c'est tout. Est-ce que je vais réussir à tout piller ou je me barre? Je vais pouvoir faire tout le point, mais au moins faire l'essentiel. Déjà, ma quête est réussie. Hey, hey. Allez, mais bon, là, comme vous voyez, j'ai fait le. Alors actuel, j'ai tué tous les yeux de Cosmos, du coup j'ai la capuche de vipère, les gants, ceinture, plastron, et les bottes. Et tout ça, c'est les bottes, pas du serpent, mais si, c'est ça, l'ensemble du serpent. Un bel effet, plus 10% d'effet d'affaiblissement et toxique. Donc voilà. Alors, Xenia... Xenia, Xenia. Mais viens. Oh, l'esquive. Il meurt comme ça, tiens. Parfait. Et bienvenue sur l'île des pirates. Et voilà. Merci. Diamant ou pas, tu viens de me sauver la vie. Et tu le méritais? Ramène-moi à Chaos, et je te récompenserai généreusement. Mieux vaut te ramener à mon navire, alors. Ah, c'est pour aider Xenia dans sa quête. Pour de l'argent aussi. N'oublions pas que nous sommes un mystérieux mercenaire. Et voilà, je nage tel un poisson dans l'océan. Vers mon beau bateau. Ah, quel soulagement d'être de retour à Chaos. D'accord. Quel étrange pirate tu fais. Cela vaut presque autant que de l'or.
Si tu le dis, mon jeune ami, alors il est temps de se faire du blé. Gotarzes, cette fois je croyais bien t'avoir perdu. Où est ton navire? Il l'a perdu, non? Il a navigué trop près du rivage. Mais nous étions en plein combat. Malaka. Malaka. L'important, c'est que tu sois vivant, mon frère. C'est ton frère? Ça ne m'arrange pas qu'il le soit. Et l'équipage? Il s'est retourné contre moi. Sans l'aide de ce Mystios? Il serait mort. Alors Mystios, tu mérites une récompense. Paye-le. Moi? Mais c'est toi qui... D'accord. Bien, bon à rien de frère. Je vais récupérer une partie de mon pognon, moi, je m'en fous. La famille est la famille. Merci de lui avoir sauvé la vie. C'est tout. Putain, je donne 15 000, je récupère 1300. Ah, je gagne au moins un niveau, voilà. Ça, c'est beau, ça. Eh ben voilà, niveau 22. J'ai encore gagné un niveau, je vais pouvoir me mettre quoi, là? Ah, je vais me le garder pour plus tard. Ah, est-ce que je peux le recruter, lui? Peut-être. La mort approche pour toi. Je vais la recruter. Je sais que tu prépares quelque chose. Rejoins mon équipage. Tu seras bien payé. En plus, c'est un gros nul. Ah, quand même. Ah, j'ai bien fait d'essayer de le recruter. Je verrai plus tard dans quoi je vais spécialiser mon navire. Allez, je suis prêt pour continuer ma quête. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.